Amen.
Avec une pièce du XXe siècle de Arvo Pärt. Alors, je souviens que dans ce programme, il y a pas mal de pièces que nous chantons là ce soir pour la première fois. Donc, nous sommes en même temps un peu et un peu très heureux de le faire quand même. Donc, Arvo Pärt est un compositeur estonien qui est né en 1935 et qui est évidemment encore vivant de nos jours. Il a écrit énormément de musique, beaucoup de musique religieuse surtout. Et cette pièce que nous avons là beaucoup travaillée dans l'année, avec énormément je crois, de plaisir, est une pièce qui a été écrite au lendemain des attentats du 11 septembre. Voilà, elle a été rejouée avec beaucoup d'émotion au lendemain des attentats du 13 novembre. Et elle est jouée un peu partout dans le monde, justement pour... un peu à la mémoire de tous les disparus. Voilà, donc nous Da Pacem Domine de Arvo Pärt. Thank you.
très difficile, avec une superposition de notes très longues, qui nous a fait faire, je crois, beaucoup de progrès, et qu'on jouera l'année prochaine, je crois, merveilleusement bien. Et nous sommes quand même très heureux de chanter cette pièce. Voilà. Alors, nous continuons maintenant avec une deuxième pièce du XVIe siècle, de la Renaissance française, sur un poème de Ronsard et sur une musique de Costelet, et qui s'appelle « Mignonne, allons voir si la rose ». Un poème, je pense, que tout le monde a appris à l'école. Siècle, très récente, d'une jeune musicienne, chanteuse, compositrice, dirige elle-même des chorales et qui écrit beaucoup de choses, pour, entre autres pour ses chorales, et qui s'appelle Céline Castagno. Et cette pièce s'appelle Ses souvenirs et elle est faite autour des paroles, inspirées des paroles de Paul Verlaine. Alors c'est une pièce avec beaucoup de ce qu'on appelle des ostinatis, c'est-à-dire des petites choses qui se répètent tout le temps, des petits groupes, et en plus qui est faite évidemment de beaucoup de choses qui grincent.
Les souvenirs, c'est pas toujours... Voilà, ça grince des fois. Donc les super...